Bonsoir messieurs, dames, bienvenue pour ce nouveau match de l'Overwatch Legacy dans lequel on va pouvoir voir s'affronter les LCO Celtics et les Hog Guardians. Vous avez remarqué, j'ai changé de visage ce soir et oui, c'est Flash qui est à ma place. Vous avez Oui. la caméra qui est arrivée. Donc ce soir, je ne serai pas là pour caster, mais je vais vous laisser entre les mains de Flash et Oshin, respectivement à gauche et à droite de votre écran. Voilà, Oshin, vous avez l'habitude de le voir. Flash, vous commencez Bon, à avoir l'habitude certainement. de l'entendre. Donc n'hésitez pas à nous dire si tout va bien pour le son, parce qu'on est sur un nouveau type de setup. Voilà, on passe pas par Discord, on a fait des petits trucs, des petites manipulations, on va dire, pour que ça fonctionne. Et sur ce, je vais vous laisser la parole, je vais vous faire passer le map pool, tout ça. Donc j'espère que vous avez le retour, comme ça vous allez pouvoir présenter tout ça. Et sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon cast. Bye bye. Merci à toi. Eh ben merci Maël, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, donc ce soir, petit match, donc LCO Entre les Celtics Hog Hog Guardians et Guardians, les c'est ce qu'on Celtics. dit, voilà. On commence par le Celtics. map pool ou par les... Alors, de mémoire, on va présenter les équipes d'abord, mais j'ai pas l'overlay des Celtics, donc on va attendre que Maël nous le fournisse via le stream. Peut Mais commencer de par les Hog mémoire, Guardians. ouais. Alors, mais Moi je du coup vais. on n'a pas le retour. Ouais, bah, si tu veux, vas-y, présente les Guardians et On va essayer. puis après on va remplir Maël un va peut-être arriver à nous suivre. peu. Je lui laisse 2-3 secondes le temps de le mettre, de l'afficher. Il Alors, y a un petit pour les delay Hog sur le stream. Guardians. Voilà, on vient de Map voir pool, je le apparaître le map connais. pool de notre côté. Oui, voilà. Je le connais par cœur, donc c'est pas grave. Ça marche. Ça marche. Donc, déjà, on va parler du map pool. En effet, bah, c'est le même map pool que depuis le début de la semaine, hein, qui s'arrête mercredi. On va reprendre avec un nouveau map pool à partir de là. Et donc, et avec un On est nouveau toujours patch sur le map aussi, pool de la semaine ça va dernière? être drôle. Oui. Ah, je pensais que ça changeait aujourd'hui. Et donc, ah non, pardon, autant pour moi. Qu'est-ce que je dis? Non, je dis Oui, des c'est bien ce qui me bêtises. semblait, hein. Aujourd'hui, donc Je dis non. des En bêtises, effet, n'oups. je dis des bêtises. Je fais bêtises. Désolé. Nouveau map pool. C'est le nouveau map pool et donc on va se mettre sur la tronche successivement sur Népal, Eikenwald et Temple d'Anubis, ça c'est du garanti. Et éventuellement, si jamais les équipes le permettent, à savoir qu'elles se mettent vraiment sur la tronche et se rendent coup pour coup, on va avoir Dorado et j'ai pas vu passer le dernier, mais c'est pas grave. Le On va passer maintenant à la dernier présentation des était les junk, Celtics. je crois. Non, je pense pas que ça soit. Ah, peut-être. On va voir. Si, il me semble que c'est les junk. Vas-y pour les Celtics, go! Alors, les Celtics, on a Pokor et Atom en tank, on a Stoppit et Gnoubi en DPS, et on a Varsis et Tronk en heal. Et en sub, on a un sub tank, c'est Devil. Voilà. Et côté Guardians, on va avoir Alpha Wolf et Falcon en guise de tank, Shugakami et Tostao en DPS, Locari et Amissa en sup, et NoHeroes, Katie Games et Mr. Smile 2 respectivement en sub, DPS, heal et tank. Désolé. Et donc, maintenant, nous sommes dans le lobby, les deux équipes sont présentes, elles sont prêtes, si je ne me gourre pas. Donc on va pouvoir commencer à se Alors, mettre moi, il y a joyeusement descend sur la Népal. tronche. Voilà. J'espère qu'on va avoir du petit Amon sur Sanctuaire. Ah bah moi j'espère qu'on va voir du Hammond. Hein. C'est Alors qu'il bourrin est déjà ça. présent. C'est trop tard pour voir, mais on le montrera à la pause. C'est ça. Et on se Hop. retrouve sur le village. Village, ouais, village Première. map un petit peu intéressante parce qu'il y a vraiment différentes stratégies pour l'aborder. La plupart des gens montent la rampe et puis vont dans la maison et se mettent sur la tronche enfin top finalement avant de descendre sur le point. En gros, le premier qui remporte le fight descend sur le point et on prend le contrôle. Mais il y a aussi des stratégies à base de on cavale direct sur le point avec quelque chose Ouais. de plus ou moins cheesy et on tient le point immédiatement et à Moi, partir je du suis moment où tu plus gagnes ton premier partisan d'aller direct sur affrontement, le point. c'est bon. Moi, je suis partisan du point en premier. Ah, ça peut être bien. Après, enfin, voilà, faut être capable de run la compo qui va bien, Si quoi. tu arrives en premier et que tu arrives à bien bloquer le checkpoint, tu peux vraiment tout défoncer. Et ce soir, on assiste au dernier soir de la compo double shield. Très probablement, oui. Ça m'étonnerait que ça Après, continue la compo, demain. Hein. non. On n'assiste pas à la dernière, au dernier, enfin, au dernier soir de la compo double shield. La compo double shield telle qu'elle existe, c'est-à-dire avec C'est des ça, grosses batailles on de aura une tranchées. nouvelle.
Après, il y aura une nouvelle compo double shield. Je fais parfaitement confiance aux joueurs. Ça ne pose pas de problème. Dernière fois qu'on aura ce patch, quoi. Et d'ailleurs, voilà. Et si on regarde, bah en fait, décrire les compos, ça va être simple. C'est du mirror. C'est ça. On a Sigma des deux côtés, un Reaper de chaque côté, une May de chaque côté, Lucio Moira en heal, et ça fonce sur le point d'ailleurs, voilà, parce que c'est une des compos qui sont... Oh, le mur de Sugakami qui était un petit peu botch, je pense. Sugakami d'ailleurs qui se retrouve isolé là maintenant. Stupid qui fait le taf, mais est-ce que ça sera suffisant? Pour l'instant, donc on a nos amis de chez Hope Guardians qui sont en train de faire caper. Ouais, qui sont en train de caper. Et nos héros qui est encore présent. C'est disputé, on sort du point pour finir de nettoyer et hop, voilà, c'est parti pour un premier cap. Nos héros qui nous avait fait un très très beau move, je crois que c'était mercredi dernier, en capant le point en solo avec Reaper en prolongation sur King's Row. Mm-hmm. Il était vraiment chaud sur son Reaper, donc on va voir s'il est aussi chaud ce soir. C'est très clair, hein, il y avait ça aussi, ouais. On va voir s'il est encore aussi fort ce soir. Donc on aura switché une Pharah de l'autre côté pour pouvoir counter. Je suis toujours un peu dubitatif une fois que l'équipe est déjà set up dans le point en fait, parce que du coup ça laisse peu d'angle à la Pharah. Mais en même temps, contre Reaper May, bah c'est intéressant parce que tu peux bourrer sans trop prendre de risques. Tandis qu'on a un petit stop it là qui va prendre la backlane des Guardians. Est-ce qu'il va réussir à... Non. Ouh, si carrément. Nos héros et Locari qui tombent sous les coups de Stop It, ça se passe très bien. Mr. Smile qui se suicide, et c'est un recap de la part des Celtics. Il était trop près de son adversaire, il s'est pris ses propres boules. Ah bah ça pique, hein. On y pense pas assez, ça fait bobo les cailloux. Du coup là, la Pharah qui va être beaucoup mieux parce que... Là pour le coup, la Pharah qui va être en position de force, voilà, pour même poke en fait, comme elle est en train de le faire là maintenant. Hein. Donc voilà. Gnoubi là qui... Oh, la tentative de rocher qui est passée pas loin du tout là de la part de Mr. Smile. Elle est passée entre les ailes de l'orange. Ouais, c'est ça. Eh ben, on était pas loin. Hein. Oh là, attention maintenant, ça y est, c'est parti. Oh, il y a un gros wall, ça va faire. Ouais, là, du coup, les Celtics ne peuvent pas reculer sur le coup, ils sont acculés. La tentative de Flux qui frappe pas beaucoup de dégâts de la part des Celtics. Mais par contre, là c'est bon, on est parti, on fait les dégâts. Stuffy Technobi qui ont fait le taf, aidé par Atom. Et c'est repoussé. Et c'est le Tix qui prennent l'avantage au niveau du pourcentage. Ils sont maintenant à 49%. C'est le Tix qu'on a vu, enfin le dernier match qui avait été casté, qu'on a vu très très énervé. Hein. Ils avaient à peine mis du temps à démarrer. On a deux équipes qui ont gagné leur premier match. Ouais, c'est ça. On a que deux équipes qui ont gagné leur premier match. Et les Celtics, soit qu'ils l'ont gagné de manière assez convaincante. Hein. Il n'y a pas eu trop à redire dessus. Hein. Tandis qu'on tente un assaut par le haut côté Guardians, du coup. Ah, ils ont raison, il faut jouer par la hauteur. Ça leur donne un peu accès à la Pharah, mais finalement la Pharah qui va pas être down et qui tombe Alpha Wolf, et ça c'est vraiment pas cool pour les Guardians. Et Pharah qui se retrouve avec. Qui hésite à l'utiliser, regardez, ça va partir. La Gnomie attend le bon moment, mais en même temps, l'alpha était win, donc il a pas de raison de l'utiliser. Arrêtez pour le beau geste, mais non. Non, mais là ils vont quadruple kill, il y avait pas de shield en face. Ouais. Alors, ça aurait pu faire très mal. Ceci dit, la partie est allée très vite, mais on a un blizzard de la part de Sugakami là qui va peut-être pouvoir permettre quand même aux Guardians de s'avancer sur le point. Ils ont besoin de le faire maintenant, ceci dit. Oulala. Donc on a déjà Alpha qui a pris un Amon pour arriver sur le point. Nos héros qui finit par prendre un kill, même deux, trois. Ouais. Oulala. Nos héros, c'est le roi des retournements de situation en prolongation. Et ça, c'est un très joli clutch de la part de. Une très jolie clutch de la part du Reaper adverse. C'est sa spécialité, je crois. Hein. Ouais, non, c'est bien passé. C'est son truc à lui. Alors là, ouais, alors après, ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, le truc, c'est que pour les Guardians, là, 99-55, alors oui, ils ont recap. Maintenant, faut pas faire les fifous. Hein. Il va falloir tenir. Sur le point avec le gel de May. Parce que là, par exemple, Mr. Smile qui s'est un petit peu avancé. Alors, je comprends, il joue Amon, mais bon, c'est bien, il s'est pas fait pique. Il a peut-être un tout petit peu feed, mais sans plus. En fait, faut qu'il ait force à engage sur le point, comme ça la May va pouvoir blizzard. Voilà, c'est ce qui est. Gnoubi, qui n'est pas si dangereux que ça pour l'instant parce qu'il n'a pas encore. Assaut qui risque de tomber. Ouais. Et il tombe même pas. Non, pour le moment ça va, ça tient pour les Guardians. Maintenant il y a Stupid avec son ulti qui devrait pas tarder à l'utiliser, je pense là. Genre, il va peut-être tenter de choper la May par exemple ou de profiter du. Voilà, il profite du flux, du moins il essaye. Ça prendra Amissa. Oh, 3-4 kills. Oh là là, ouais, bon. Là c'est un recap.
Ah, il n'y avait plus la Moira dans le premier, qui était tombée en première, du coup. Ouais. Ah, du coup, ça. Beaucoup moins de win, c'était plus compliqué. Oh là, oh là, attention les enfants, attention les enfants, on capte. Voilà, c'est mieux. Ils ont failli perdre bêtement. Et le démon ultime. Ils ont vraiment failli perdre bêtement. Ouais. Là malheureusement, ça sera insuffisant pour les hops en termes de temps. C'est bizarre ce qui se passe. Oui, c'est un petit bug qu'on voit régulièrement. Quand c'est 99-100, je sais pas pour quelle raison le jeu affiche 100-100. Mais enfin, en ce cas, c'est pas la première fois que je le vois. Allez, 5. Oh non, c'est pas la meilleure map. Tandis qu'on est sur la meilleure map. Sur l'hôtel. Ah bah Sanctuaire, bah oui, mais je suppose que Mel te dirait la même chose, parce qu'il y a un potentiel de kills environnementaux qui est quand même assez énervé. En ce moment, en ranked sur Sanctuaire, tu vois que des Hammond. Sur une game, t'as 25 kills dans le jeu. La petite intervention de Mel, alors j'adore, c'est tout. J'aime beaucoup. Ça, j'adore. On va partir sur un double shield de chaque côté. Double shield de chaque côté. On aura du Reaper Pharah et de Doomfist Pharah de l'autre côté. Parce qu'on a, voilà, on a deux pharmacies avec un d'un côté un Doomfist et de l'autre un Reaper pour compléter. Mais sinon après. Les points vont être plus forts que les armes. Ah, Stop It, il est très très énervé, mais après j'ai pas vu beaucoup de No Heroes sur son Doomfist, je pense, donc je saurais pas me prononcer. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va voir qui fait le premier kill. Oh, Sugakami qui gagne le duel de Pharah, ça c'est très 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 bon pour les Il fait tomber la Ange aussi, donc ça c'est bon. Ça c'est très beau. 6v4, ouais. Là ils ont vraiment l'avantage. Ouais, là, malheureusement le Stop It qui essaye de. Voilà. On parlait du duel, qui a gagné le duel. Bon bah c'est Stop It pour cette fois-ci. Bah ça, si Doomfist rate son point. Et Stop It qui continue de faire un bon travail de sap là. Oh là 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 là. Ça va être très malheureusement, embêtant. Malheureusement ça tombe de tous les côtés. Ouais, et là c'est les Celtics qui d'une mauvaise situation ont réussi à très 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 bien rebondir. Hein. Ouais, il y a eu un problème de focus sur Stop It, je pense. Des Guardians, parce qu'ils étaient en 6v4, et Stop It a réussi à faire à prendre 3 kills tout seul. Et Gnoopy qui a fait un switch intéressant, il a switch son bras. Et de l'autre côté aussi on a des switch. Shugakami et No Heroes qui ont switch respectivement, Junk et. Oh. Et son bras qui essaye de prendre le McCree. Écrit. Et le McCree. Il y arrive. Le McCree qui tombe. Oh, ça c'est vraiment dommage ça. Ça c'est du bon petit temps gagné là. Le temps que ça, le temps que le McCree retourne. Et de la charge ulti bien sûr pour le MP qui est déjà à 50%. Il vient de switch. Il a switch sur la fin de l'unique fight en fait finalement qu'il y a eu. Et déjà à 58%. Il est déjà à 58%. Donc là, ouais, ça va quand même être. Oh, Stop It qui a déjà son ult aussi, mais lui c'est un peu plus normal, puisqu'il est resté sur son Reaper de tout le long. Depuis le début, ouais. Et donc, on s'achemine top côté Guardians, on essaye de mettre des pieds sur le point, est-ce que ça va le faire? Ouh, la coalescence qui part du côté Celtics. Avec une réponse de la part Guardians. C'est une bataille de caméra. Tout est normal. Pour le moment, on s'échange des amabilités, pas beaucoup de kills de prix. Le junk des Hope qui essaye de prendre un petit off angle, mais qui n'y arrive pas trop, il est obligé de s'en aller. Le bongo d'Alpha, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ça devrait donner le MP qui passe. Mais est-ce que le MP va suffire face au DPS brut des Guardians? Je pense qu'il aurait dû claquer son MP maintenant. Ouais. Vous avez déjà perdu 3 piques. Ouais, c'était. Ouais, le MP il était un petit peu. Je pense, ouais, l'idée là c'était vraiment d'essayer de clutch la situation parce que en effet ça permettait aussi de neutraliser le bongo. Mais là la situation était telle que. C'était encore possible, mais c'était chaud. C'était un peu chaud. Ah, les Celtics ils nous ont montré quand même, tu vois, même sur la fin du premier fight hein, déjà ils nous ont montré que bah ils étaient down 2-3 même à la fin. Et ils sont revenus. Ils ont réussi à revenir. Ils ont bien tempo et tout, ils ont réussi à revenir. Allez maintenant nouvel assaut. Oh attention, Stop It qui est en difficulté. Non, il arrive à Shade, il s'enfuit. Sugakami qui a pris un super important sur Gnoopy. Gnoopy qui a encore switch d'ailleurs sur une May, on l'a pas noté mais. Oh, ça très joli move là de la part d'Alpha qui a enlevé carrément les Celtics du point. Il les a mis derrière un mur et maintenant ça permet de les piquer quasi un par un pendant leur retraite. C'est ça, et là ça permet de les delay un petit peu. Ouais, puis ça permet aussi accessoirement de re-remplir la banque de pourcentage parce que pour le moment ils sont quand même à la bourre. Et tout ça sans ulti. Donc pour le moment là. De dispo. Si elle est bien placée, ça peut faire très 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 mal. Ouais, c'est ça. Bah, même bon, le High Noon, dans une moindre mesure, il peut être intéressant. Au pire, ça fait un free reload. Par contre, en contre d'un ulti stigma, tu vois. Genre, quand t'es dans l'ulti stigma adverse, tu lances un par exemple, ça arrive top côté Celtics. Là, il varie un petit peu les angles, c'est super. Ils vont arriver directement sur la Moira des Hope. Oh, la roue qui est partie. La roue qui va arriver.
Non, la roue qui ne fera rien malheureusement, Gnoubi qui achève la roue. Tout petit peu trop longtemps. La team aurait quand même gagné. Ouais, avec tout ça, les Hope Guardians qui ont rattrapé leur avance, enfin leur retard plus exactement, et même qui prennent de l'avance maintenant en termes de possession du point. Là, ça va être le dernier point. On va prendre des pics pour revenir vite là. Et exactement, donc swap tresseur avec un Hammond, ouais, voilà, et bon, bah le Lucio des familles. Aïe aïe aïe, Pokor, oui, forcément, qui était un petit peu. Il est tombé à son tour. C'est un petit peu compliqué, le Bongo qui est lancé. Oh, le Reaper qui tombe instantanément, le Hammond qui risque de tomber. Ben, je pense que ça va être gagné pour les Guardians. Ah, les Guardians là qui ont clairement posé les balls là et ça se passe bien. Ils ont rien lâché hein. Ouais, ils ont rien lâché. À partir du moment où ils ont repris le point, ils se sont laissés malmener au début, mais après ils se sont pas laissés. Alors après, c'est pas fini hein. Parce que là avec le Hammond pour tempo, il y a encore moyen de faire peut-être quelque chose. Tombe à son tour. Alors, là ça va devenir difficile et voilà. Oh, le petit halt pour stopper le Doomfist sur le sanctuaire. J'espère qu'on va avoir du Hammond. Si ça sort pas Hammond, je serais déçu. La déception sera grande. Moi je veux du Hammond de qualité. Du Hammond de qualité. Sur ce point, Hammond c'est trop puissant. Voilà. Du Hamster Caddy qui reste sur Hammond, j'espère qu'il va pas changer. Il a pas l'air de switcher. Ah bah en même temps ici ça peut être intéressant hein. Ah oui, tu te mets sur le côté là. Après le petit tronc. Et hop, tu te mets un petit grappin et tu balances tout le monde. Et non, malheureusement. Ah, tu peux passer par la cheminée ou des choses comme ça, ça c'est... C'est ça, exactement ça. Tu passes par la cheminée, tu mets un grappin et tu les pousses tous dans le vide. Malheureusement, on n'aura pas ça sera double shield d'un côté et Orisaok de l'autre. Et je ne vais pas vous cacher que Orisaok me plaît beaucoup parce que là, il y a du potentiel... Enfin, en fait, ça va bien jouer, ça va mettre une pression quand même certaine aux Celtics. Puisqu'ils vont devoir toujours faire attention non seulement aux halt, mais aussi aux hooks qui vont éventuellement avec. Alors tout le monde est descendu par la cheminée. Oh, Afla Wolf qui s'est fait bloquer par les Celtics. Ça c'est très très mauvais. Voilà, Hammond, ça envoie tout le monde dans le vide. Hein. Ouais. Ils sont tous devant la porte. Ils connaissent pas la porte. Ils sont tous devant la. Bah là en même temps, ils savent qu'il n'y a pas à craindre le Hammond aussi. Donc ils n'ont aucune raison de se positionner contre. En tout cas, bel assaut des Celtics qui ont très très bien joué leur May en particulier. Ça leur a permis de prendre un pick gratuit quasiment. Et en plus de surcroît, le main tank adverse. Je pense pas que les Guardians aient pris le meilleur chemin avec Orisaog. Alors c'est marrant, les Celtics qui restent sur le point. Traditionnellement, tu vois plein de gens qui viennent se mettre à la porte en fait de l'équipe adverse. Et là, non, pas du tout, ils restent. Et puis ils vont stand ground entre guillemets sur le point immédiatement. Avec avec un petit Varsis. Là, le Lucio des Celtics carrément en embuscade. De vouloir faire des choses un peu sales. Le hook et voilà. Oh, ce hook qui tombe dans le vide, voilà, magnifique. Premier kill environnemental. Allez. Très bien joué. Ça c'est un 2 points ça. Et le choix de Pharah là, avec Tsukagami qui fait le taf hein, qui avoine bien comme tomber, il faut. Hein. Ouais. Ça va tomber du côté des Celtics. Gnoubi qui va avoir du mal à gérer qui a envie de manquer dans le vide. Deuxième kill environnemental. Donc ça fait du 2 partout au niveau des paniers. Et donc là, ouais, on a des Guardians qui peuvent nettoyer le point, mais là, il y a déjà le Sigma adverse qui revient. Oh là là, donc pour le moment, les Celtics qui restent, ils se battent, ils y arrivent, ils tiennent. Hein. Et pour le moment, le fight il est complètement à l'avantage des Celtics en ce sens qu'ils continuent de conserver le point et que les Hope ils arrivent pas à terminer le ménage. Voilà, là maintenant, oh, cette ulti qui pour le coup est peut-être un petit peu en trop. Mais bon. En même temps, je comprends qu'ils. Ils ont probablement dû se dire, ah tant pis, vas-y, on close le truc, on s'assure que personne va sur le point parce que là ça fait trop longtemps qu'on y est quoi. On est quand même monté à 71%, hein, c'est quand même. Ah, petite tentative de débordement peut-être de la part des Celtics qui se préparent, regarde avec Stopit qui est derrière là. Et Gnoubi aussi, ouais non, ils passent tous derrière. Oh là, mais ça a été repéré par No Heroes. Et heureusement. Oh, mais là pour le coup, ouais, retraite. Ouais, voilà, le mur est posé, retraite immédiate parce que là ils sont dans un couloir et avec la Pharah pour les allumer. Heureusement que No Heroes surveillait derrière parce que sinon ça aurait pu être très Ah bon. Oui. Si No Heroes suffisait pas, il se faisait couper en deux par la May et après au revoir et merci. Et du coup on va pouvoir attaquer par le milieu. Là voilà, on repasse mid. Et un petit hook. Un petit hook qui passe mais qui fait pas de victime, ça c'est dommage. Ouh, le carré qui s'est fait mettre un nom par atome, mais un truc violent. Aïe aïe aïe. Et ça, voilà, ça c'est les Celtics. Qui a stoppé toute l'équipe du déluge. Du coup, on va pouvoir aller sur ce point et recap. 73%.
Ah, c'est pas mal hein, quand même. Bon, c'était une belle défense. Ils ont bien réagi. Ils ont fait attention à la douille qui risquait de se prendre. Mais là, oui, belle attaque bien coordonnée de la part des Celtics qui leur a pas vraiment laissé beaucoup d'espace, quoi. Là, c'est la Là dernière chance pour maintenant, le gardien. S'il ouais, recap pas, c'est il y a fini. un wall qui se prépare. Un wall qui se prépare. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui va se passer? Il y a Farah qui passe tranquillement sur le côté. Là, Oula. le hog qui va tenter un hook de l'espace. Oh, le hook! Oh là là, Atom qui se refait avoir, qui se refait hook. Et moi j'ai dit aïe aïe aïe, ça va donner un gros avantage au Guardian. Si il reste sur le point, parce que pour le moment il n'y a que Alpha. Non, c'est bon, tout le monde descend sur le point. Voilà, ça va caper. Je Allez, vous laisse finir Celtics, de ils se sont commenter parce probablement que. dit. Ouais. Est-ce que ce serait possible de me réinviter? J'ai eu un gros bug de co. Ça m'a quitté de la game, je sais pas pourquoi. Ah. Alors attends, Si t'es toi où? peux me... Si tu peux me réinviter au chine, ce serait sympa. Ouais. Je fais ça. Merci. Je Du coup, t'en j'ai pas pu prie. suivre la fin. En La gros, défense quand même. les Hawks qui ont repris le point un peu par la peau des dents, avec les Celtics qui en fait ont attendu les 99% avant de lâcher, tout simplement. Et puis dire, oh, tant pis, on revient de toute façon, on a des ults, on peut le faire. Donc là, oh, oh là là! Le Sigma adverse, enfin le Sigma Celtics, pardon, qui est déjà un petit peu en difficulté, mais qui s'en sort. Les deux cols qui sont lancés, le carré qui se refait dire non par Atom. Décidément, le Sigma des Celtics qui aime pas du tout, mais alors pas du tout les Moira en face, hein. Celtics donc qui reprennent le fight de manière assez propre et Shugakami là qui va pas pouvoir faire grand chose malheureusement. Et c'est une victoire des Celtics. 2-1, mais 3 très beaux sides hein, globalement. Ça s'est bien battu des deux côtés. Il y avait du gros combat de chaque côté. Bon, mon jeu Et s'est complètement perdu. des espèces de recul aussi, hein, tu sens bien, voilà. Entre le Hog Guardians qui punit systématiquement le Sigma dès qu'il en a le Sigma Celtics dès qu'il en a l'occasion et inversement le Sigma Celtics qui bute la Moira adverse dès qu'elle se met à comment à coalescence, ça fait plaisir. Ça se met joyeusement C'est sur la très tronche. mal. Alors, hop, on relance le jeu. Ça m'a jamais fait ça. La connexion est tellement pourrie que la cam, ça fait bugger. Aïe aïe aïe. Je pense que je la couperai entre les. Pendant les matchs. Ça Ouais, à la sert à rien d'être limite, ouais. actif. Tout à fait. Donc mon jeu est en train de se relancer, j'arrive au plus vite. Flash started playing Overwatch, mais c'est toi. Oui, Hop. c'est bien moi, je suis Je présent. te réinvite. Attends, est-ce qu'il est pas lancé totalement? Je pense que je vais couper la cam vite fait. Tant que ça se relance. Ça marche, mais de toute façon, je Hop. te réinviterai au pire, hein. Option. Voilà, je suis revenu. Il faudrait juste me remettre dans la bonne file. Là pour le moment c'est Celtics qui gagne contre Guardians. Hop, hop, hop. Allez, Ok, j'ai réussi à revenir. Il faudrait on y juste me remettre est. dans le spec. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Voilà, on a Flash qui est prêt. C'est magique. Donc là maintenant tout le monde est là. Pour le moment on a eu des GG mais pas encore de ready. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Mais je pense que là les joueurs sont prêts. Depuis toute façon, pas de pause avant la deuxième game. Ça, il faudrait peut-être juste changer la carte, voilà. Il faut choisir le side aussi. Et il va falloir choisir le side exactement. Je crois que c'est l'équipe qui perd qui choisit le side, si je dis pas de bêtises. De mémoire, c'est Loser's Pick, ouais. C'est plus logique. Voilà, on va hop. Manifestement, ils s'étaient mis d'accord puisque on est déjà dans la game. Parfait. On est parti sur Eichenwald. Et malheureusement, on n'aura pas vu de Hammond. Ça, c'est dommage. Ouais, mais il y avait des jolis hooks. Et il y avait des Ouais, belles c'est vrai. tentatives On a eu de. Il des y avait beaux des kills belles tentatives de environnementaux. halt aussi, hein, qui n'ont pas été concrétisées. Mais enfin, pas toutes en tout cas. Il y en a eu quelques-unes quand même, heureusement. Mais et des boops, plein. C'était bien. C'est un rempli de boop. On aime les Lucio basketteurs. Alors que, hop, on va repasser sur la game. Enfin, je coupe la cam pendant la game. Excuse-moi, Maël, j'ai des petits soucis de connexion. J'espère que je la coupe au bon moment. Alors, pour l'instant, on va pouvoir avoir accès au compo. Voilà. Nous avons Parfait, donc de la double shield, comme d'habitude. double shield avec Ashmay pour les que je dise pas de bêtises, les Guardians. C'est ça, nos heroes, c'est Guardians. Et à droite, on a une pharmacie avec un Pharmacie. Reaper. Pharmacie en attaque qui peut créer beaucoup d'espace hein, avec son avec comment son comment ça s'appelle en français, je sais plus, mais son Concussive Sa Blast. conflagration? Conflagration, voilà, merci. Y a pas de souci, ce sera un plaisir pour moi.
Et sinon, après, ouais, on va être sur de la grosse bataille de shield quand même. Donc là, ça va vraiment être à qui saisit l'opportunité le plus vite de décaler quelqu'un pour le punir, quoi. Que ce soit avec Le un wall Macri ou va avec arriver une à cliquer sur pickaxe. les têtes pour faire tomber la pharmacie. Ah, j'avoue que ouais, là, le Macri, bah, du coup, il est bien inspiré, il va servir à ça. Mais sinon, contre double shield, jouer Macri en ce moment, c'est pas évident, hein. Et non, pas du tout. Alors, les Oh, Celtics c'est. qui s'avancent vite et fort au niveau de l'arche. Voilà, Pour le moment, ça c'est la se sent bataille bien des à shields de chaque l'unité. Voilà, côté. on n'a pas encore Les vraiment deux de. shields qui sont tombés en même temps du côté Ouais. Côté des Guardians. Guardians. Et de l'autre côté, Ça on a avoine. Là, encore les côté shields Celtic, disponibles. ça attaque très fort. Les shields sont refresh côté Guardians, ça va un petit peu mieux. On push, Et il y a là, Farah oh qui là arrive là, de avec chez derrière Nubi qui pour est mettre des gros Wall of dégâts. Angle là et qui va commencer à sérieusement avoiner, y compris la ligne de support des Guardians. Ça va leur faire du mal, ça. Gnoubi qui a déjà son ulti, hein. Avec Nubi, ouais, Bah, un non, barrage, mais. ça pourrait surprendre, Enfin, mais là par exemple, tiens, en là, voilà, temps, le le voilà ce que je triple voulais, le kill! voilà! Le Et triple voilà. kill, voilà. Il suffisait de le dire. Nubi qui s'est chargé énormément pendant toute cette fight, hein. Ah, il s'est chargé tellement vite, il s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait un ultimate qui parte. Ouais, mais dès que les shields Qui étaient parte aussitôt, hein. repositionnés, il était derrière, quoi. C'est. Enfin. Il a rush. C'est limite unfair. Il a rush le point. Et du coup, ça s'est très bien passé pour les Celtics, hein. Un fight, un ult, hop, c'est bon, on a le point. 5 minutes 30 de banque. Voilà. C'est très très bien joué. C'est Et on pourra très solide. entamer ce petit payload. Et avancer tranquillement sur la map. Alors. Oh, joli petit halt, est-ce qu'on a quelque chose pour en profiter? Voilà, Non. on n'a pas de hook chez Le ce wall pour Gakami qui est affiché sur protéger. Lanzo, on n'avait pas vu. Il Ouais. prend la première tête. Et la deuxième tête, alors Oh, ce et ce Gakami. Gakami qui fait un beau taf là, il y a plus Bon, ils de. avaient fait un beau Côté Celtics, numéro il y a de. plus de DPS, si, il y en a un qui a été raise. Et là, le teamfight va être remporté par les Allez, les Guardians, Guardians voilà, il y là a un qui. Reaper qui Voilà. est derrière, qui n'a pas été repéré. Ah, il a été raise, mais je pense qu'il va back surtout. Ouais, Parce que voilà. Gakami nous avait déjà fait un beau travail sur Swenzo la semaine dernière, je me souviens. Sur un Oui, avant-1. tout à fait. Oui. On avait cliqué sur les têtes. C'était très bien joué de sa part. Et il nous remontre Il avait encore une une fois que fâcheuse c'est tendance à Swenzo. cliquer les têtes pour l'équipe adverse, ouais, voilà. Alors qu'on se regroupe de chaque côté, on va pouvoir revenir sur ce payload. Avec les Guardians Il y a eu un qui. Ah, switch tiens! sur Tsugakami Macri du qui côté concède le des. top. C'est un peu étrange, mais d'accord. Il préfère être avec Le son gros groupe, qui ce gère qui a du sens spontanément vraiment. le Le Ainoun. Ainoun qui frappe pas grand chose, ouais, Il malheureusement, distraira sinon juste on les garde. shields, le flux greffe Non. qui part Ah, juste après, et là ça dommage! va pouvoir connecter. Ah, le combo. F... Oh, le double boop! Le combo Flux Ainoun, ça aurait été tellement beau. Oh, le double Le boop double qui est. boop Oh Bulusio. là là, Varsis qui nous a fait Ça fait très très des très mal. miracles. Est-ce que ça va Le Gakami qui suffire? Oui, ça tombera suffit instantanément. carrément pour les Celtics. C'est dommage parce qu'il y avait Mister Smile qui nous avait fait un très beau flux gravitationnel. Ouais. Malheureusement, toute son équipe avait reculé, il n'y a plus personne pour tirer sur les. Dommage qu'il ait pas été combo avec le Ainoun parce qu'il me semble que c'était le. Oui, ça aurait pu être très fort. Un suicide call, je pense. Et le magnifique ulti Reaper, c'est du 3 pour 3. Ça se rend coup pour coup. Le flux gravitationnel qui va être là pour clore les débats. Et Ouais, voilà, le payload qui avance qui va permettre de tranquillement. nettoyer vraiment. Oh, le Et donc. Sigma! Ouais, Atom. Putain, si t'avais la violence du Oui, choc! non, mais oui, Atom qui est pas là pour tricoter, hein, très clairement. Le Bah, Sigma il doit avoir quelque des. chose à faire plus tard, alors du coup, il veut que ça finisse vite, j'en sais rien, mais. Ah, la violence du choc quand le Sigma des Guardians est tombé par terre. Il s'est fracassé le crâne sur le sol. Allez, en Pas attendant tombé les sur les Guardians pieds, il est qui tombé sont sur la en tête. place, ils sont à l'angle, ils gardent l'angle, ce qui est probablement la meilleure chose qu'ils aient à faire pour l'instant, parce que c'est difficile Alors qu'on a No de Heroes qui est l'observation. encore en flank derrière, il va No pouvoir Heroes, ouais. commencer Ah, il avec a des gros dégâts avec tenté ses le pompes Fallen Gun, mais flame. là maintenant. Oh non, c'est bon, heureusement, il est pas derrière le shield, enfin il est pas derrière le mur de Mei. Ça se Se passe renvoie pour le des. moment, on est sur de l'attrition. Ah, Mister Mr. Smile Smile qui qui met prend des deux gros pils, dégâts. qui prend les deux tanks adverses, aïe aïe aïe. Ouais, ça c'est un back pour les. C'est un back pour les Celtics. Ok, on a déjà bien avancé, donc je pense que. Voilà, Ouais, même. ils ont encore 4 minutes 0-0-1. Ils ont Ils 4, ont ouais. encore le temps. Ils ont 4 minutes pour ouais, finir le premier corner quoi et tourner le second. Alors que les murs du centre de chaque côté n'ont pas été utilisés encore. Lucio Ah. qui tombe toujours dans les premiers. Je pense que Varsis il attend probablement un dragon ou quelque chose de similaire. Hein. Ou un flux gravitationnel peut-être. Ouais, ou un flux gravitationnel au choix, ouais, voilà. Ah, et tandis Alors que qu'on ça a eu un switch réattaque. du côté des. Avec Nubi qui est passé Des sur Celtics. Doomfist. Oh, Avec Doomfist et et qui joue les Junkrat. assassins quand même un petit peu, hein, il vient de prendre l'Okari. Doomfist et Junkrat qui Ouais, ont été sanctués. ouais. Ils sont dit, Et bon, Tsugakami bah, qui on va connecte tenter. encore, hein. Et c'est le Ah, troisième kill là Tsugakami sur ce qui est teamfight. vraiment pas mauvais, hein, sur son. Ça fait plusieurs games là déjà maintenant.
Si on repart sur une métazone arena, ce Gakami, il va pouvoir être très très fort avec son Enzo. Ça pourrait l'aider beaucoup. Parce que l'Enzo en zone arena, on sait très bien que c'est. C'est très violent. Alors qu'il se positionne sur le chandelier. Alors, ouais, le chandelier, c'est vrai. Tellement l'habitude qu'on y colle un bastion, je pense jamais à regarder pour les autres, mais. C'est un Enzo qui sera là-haut. Eh, dommage, il est pas protégé du tout, il va être obligé de descendre. Et donc là, les Celtics, ils remontent à l'assaut, ils sont tous là, ils sont. Là, là le shield, le shield du Shield Pacifique est déjà un petit peu low. Oh, No Heroes qui. Ouais, il va pas trouver ce qu'il veut, malheureusement. Le flux gravitationnel qui part sur 4, c'est énorme, mais ça achèvera personne. Maintenant, faut faire les kills, faut faire les kills. Et voilà, No Heroes qui rentre dans le tas, qui prend les premiers kills. Spirit No Heroes qui est fait derrière en train de charger son ultimate. Et il prend les kills. Le taf qui a été fait à ce niveau-là. Et là, on claque tout, on essaie de remporter ce teamfight. Les Celtics, ouais, les Celtics qui décolèrent pas, hein, ils veulent avancer. Ah, ils ont pris 3 pics, ils ont dit on continue les gars, on s'arrête pas, on tente ce fight. Ah, ceci dit, ouais, c'est vrai que. Le Doomfist qui revient très vite pour pouvoir les aider. Après, ouais, c'est vrai qu'ils étaient en 3v3, mais avec le spawn advantage des Hopes. Et le magnifique. Il y a un flux après. Ça fera tomber la Orisa instantanément. Alpha qui par contre est tombé, mais. Sigma qui va tomber maintenant, Sugakami qui est très low. Ça, c'est oh là là. À son tour. Le carry et No Heroes qui essayent de contest. On se push des Celtics là, il fait très très mal. Le carry qui est seul à contest là maintenant. Il était bloqué dans le payload. Il vient de se faire rejoindre, donc là maintenant il y a un petit peu plus de monde. Avec entre autres Mr. Smile qui a pris la boule. Parce que la boule c'est la vie. D'avoir son dragon. Mais... Ouais. Ouais, Sugakami qui va peut-être tenter un dragon un peu direct sur le payload. Sinon ça va aller jusqu'au bout. Mais faut quelqu'un pour toucher, Oh y'a y'a y'a. Ouais non. Oh là là. Le Reinhardt qui traverse la map. Là c'est la contestation d'infini. Ouais, la charge très optimiste d'Alpha, mais qui s'est pas si mal passé, qui n'aura pas suffi malheureusement. Hein, mais... Et ce sera capé avec 1 minute 10, ce sera quand même une assez bonne défense. Hein. Considérant le premier point, ouais, très clairement, ouais, une bonne résistance sur le même, en fait, sur la phase 2, hein, sur la phase du château, ça s'est bien passé. Et à l'intérieur, bon, ça c'est, ils ont bien résisté quand même les Guardians. Ouais, ils ont gagné 2-3 fights et après ils ont réussi à faire durer longtemps le dernier fight. Du coup, 1 minute 10, c'est pas. Non, ça va. C'est une bonne time break, mais c'est pas non plus. C'est ça. On va pouvoir repartir sur cette petite carte Taikenwald. Ouais, côté. Enfin, en train de nous faire visiter. Côté Guardians. Ouais. Forêt. côté Guardians, ça va. Il y a pas de quoi avoir honte de la deuxième phase. Hein. Par rapport à ce qu'ils ont pris sur le premier point, ils se sont très bien repris quoi. Maintenant, ouais. Voilà, ce qu'il va falloir, c'est qu'ils arrivent à gagner l'attaque. Et s'ils arrivent à gagner l'attaque, ils peuvent se dire ok, ça va, c'est bon. Il y a qu'une minute en face. Dans le pire des cas, ils finissent en overtime, c'est pas grave quoi. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ça nous permettra de voir une map supplémentaire. Et ça, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut du spectacle, on veut des matchs serrés, on veut du 3-2. On veut des matchs qui durent jusqu'au bout de la nuit. N'est-ce pas, Oshin? Jusqu'au bout de la nuit, non, là, avec les grèves, j'aurai besoin de me coucher tôt aujourd'hui. Dommage. Alors qu'on va partir sur un Reaper May, et de l'autre côté, on aura une pharmacie encore pour Gnobi. Qui a vu que c'était efficace en attaque, il a dit pourquoi pas en défense. Ah, les Guardians qui vont probablement essayer juste de bourrer, d'avancer le plus loin possible et ensuite se poser, je suppose, hein, vu ce qu'ils ont. Alors, Gnobi qui a déjà un truc. Oh, le petit. Oh là, oh, c'est joli. Oh, le petit rocher dans la merci adverse, dans la merci Celtics. Oh, ça c'est. C'était bien joué, dommage par contre parce qu'il pouvait pas vraiment y avoir de follow-up là-dessus. Et Gnobi au moins ça l'est 37%. Regarde, il y a déjà un barrage qui va être prêt dans quelques secondes. Ouais, Gnobi qui est déjà. Il charge très très vite. Hein. Intéressant, Alpha qui cherche vraiment à mettre des mini graves sur le duo Farmercy dès qu'il peut en fait. De il sorte à rendre le pick plus facile hein, tout simplement. Et là maintenant. Si tu avec Sigma, ça peut faire très mal sur une pharmacie. Ah ouais, c'est clair. Farah qui va faire son et ulti. Là, voilà, le barrage. Déluge qui part, qui prendra 2 kills. Deux kills, bon, ça c'est la. Chargement des ultis. Ça c'est la fin du push pour les Guardians, probablement. Là, ouais, voilà. Là, ouais. Se regrouper, No Heroes qui essaie de charger un petit peu son ultimate, qui prendra quand même le McCree. Et je pense qu'il va pouvoir être raise. Voilà, la raise est faite instantanément. Ouais. Et du coup, on aura aucun plus problème de pour le gardien. Du côté des. Pendant 30 secondes, après, faut que. Enfin, ça... le temps que ça se regroupe vite, côté hop et qu'ils réattaquent et qu'ils arrivent à.
qu'ils arrivent à porter. Faire tomber la Pharah maintenant, ça pourrait faire, ouais. Ça pourrait être clutch. C'est ça. Là, ouais, tomber la Pharah maintenant, c'est hyper clutch. Ouais, ça va être dur. Hein. Avec ce qu'ils ont, ils ont rien pour accéder à la Pharah vraiment, quoi. C'est ça. C'est vrai que bon, même les petits halts et tout qui sont mis sur la pharmacie, c'est bien, mais malheureusement, il y a pas un Macri pour en profiter, quoi. Il faudrait que la May mette un petit pic à glace dans la halte. Ouais, par exemple. Dans la tête, de préférence. Alors qu'on a No Heroes qui est un petit peu en décalé, il s'est TP, je vois pas où malheureusement, je l'ai loupé. Je crois qu'il s'est TP derrière les statiques, voilà, au top. Ouais. Et il s'est fait wall par sa propre May. Oh là là. Et ouais, et ça. Oh là là, et le Flux qui est à l'initiative des Guardians, mais ça se passe pas du tout bien pour eux le fight malheureusement, oh là là là. Un problème de. 5, problème de coordination, je pense. Celtics encore. Ah, les Celtics, ils vont avoir aucun mal a priori à défendre le prochain. Ça cherche la solution du côté des prochains. Ouais. Et là, en plus, il leur reste une minute 45, donc s'ils veulent charger des ults sur autre chose que les pics qu'ils ont, c'est déjà un peu tard maintenant, mais c'est faisable, mais faut pas attendre plus. Ce caillou qui arrive du ciel, regarde bien. Et ça ne prendra personne. Ça prendra personne. Par contre, côté Guardians, on a un Blizzard. Donc faut vraiment qu'ils soient bien placés pour être ouais. Clutch. Et, après, et une balle qui va pouvoir aller chercher la Pharah qui va barrage. Si jamais le Blizzard est lancé, on peut, à mon avis, on aura un barrage, ne serait-ce que défensif, quoi. Et ça passe top côté Guardians, donc ils vont essayer de débouler sur le point en évitant le poke de la Pharah. Mais là, surtout, la Pharah, ce qu'elle va voir, c'est une opportunité gigantesque, là. Et c'est probablement ce qui va se passer, voilà. Elle a été repérée, elle prendra un kill. Pour le moment... Qui va être chargé à 2000%, il a 10 000 points de vie. Oh, il en a 800, quoi, avec ça, il est de main. Mais... Et le Flux qui passe, là, ouais, les Celtics... Ouais. Les Celtics, ils décident d'investir à peu près tout ce qu'ils ont maintenant, alors qu'il reste une minute. Et Sugakami qui arrive à faire tomber la Pharah, et je pense que ça va être le move clutch. Et ouais, parce que là, maintenant, on a une grosse présence... comment Guardian sur le point. Et donc, ça va passer. Donc les Guardians qui ont investi presque tout ce qu'ils avaient, mais au final ils se retrouvent avec plus d'ult à la fin que ce qu'ont les Celtics. Mais qui eux de toute façon devaient absolument investir, ils étaient obligés. Hein. Oh, un petit rocher qui a raté merci de peu. Enfin, de là où je le regardais, peut-être qu'en fait il était à 5 mètres, mais... Il était à 10 mètres exactement. Ah ouais, quand même. Ah, à l'échelle de l'univers, 10 mètres c'est peu. Exactement. À l'échelle de merci c'est beaucoup. À l'échelle de merci, c'est plutôt beaucoup. Donc voilà, Gnoubi qui continue de... Ouais. Il a déjà 72%. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. C'est dans les teamfights. Gnoubi qui fait qui joue très bien avec sa Pharah. Bon, Varsis qui s'est fait plus par New Heroes, par contre. Hein. Donc là, a priori, Gnoubi qui va jouer un peu plus safe, parce qu'il est plus, il peut plus être pocket, là. Il a pas envie, Gnoubi. Gnoubi, il veut foncer dans le tas. Ah, j'avoue, ouais. Il continue à agresser. Mais il va pas derrière l'équipe adverse, c'est ça que je veux dire. Oh, No Heroes qui attrape Gnoubi, entre autres. Triple quadruple kill, ça c'est très très clutch de la part de No Heroes. Les Reapers qui font un gros travail en ce moment sur cette saison, j'ai l'impression. Par contre, on oublie le payload du côté des Guardians. On oublie un tout petit peu le payload, ouais. Alors heureusement, il y a Shulu Kami qui est pas loin. Oh, ça va avancer, hein. C'est de 4-5 mètres supplémentaires, je pense. Oh, peut-être. Ça n'a pas été oublié pendant si longtemps que ça. Et là, le problème, voilà, c'est que les Celtics, ils sont de nouveau au complet. Donc là, il va falloir réussir des petits moves, genre... Oh, et Stop It trouvera un Anissa. Mr. Smile qui a absorbé les balles, hein. Je sais pas si t'as vu la vie qu'il a eu pendant quelques secondes. Oh, très bien réagi de la part de... Comment ? Très bien réagi de la part de Mr. Smile, hein, très clairement. Alors que la Koal qui est utilisée pour back, je sais pas si No c'est Heroes qui se fait... Ouais, qui se fait déboîter par tous les angles possibles et imaginables. Donc ouais, c'est une fin de push pour nos amis. C'est pas toi, mais les Koal défensives, moi j'aime pas trop ça. Ah, moins efficace qu'une Koal offensive. En réaction à une autre Koal, à la limite, je dis pas. Parce que ça permet d'annuler un petit peu l'effet de la Koal. Quand on sait déjà fait prendre un ou deux piques et qu'on claque la Koal. Ouais, en général, ouais, ça. Bah. C'est ça. Des fois, ça peut être le clutch. Si tout le monde est low en face, tu les passes tous au micro-ondes et puis voilà. Si mais ouais, ça peut carrer, mais sinon. C'est un peu plus difficile tout de suite. Hein. Alors qu'on a No Heroes qui essaye de mettre du gros poke sur la Pharah, l'ultimate qui est encore utilisé, oui, il a été clutch sur dernier le barrage défensif pour le coup, et Gnoubi qui prendra un triple kill encore une fois. Oh là 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 là, ouais. Alors, ceci dit, Gnoubi... finir le reste, voilà, il fera tomber le Sigma, le Reaper qui risque de tomber aussi. C'est le reste du Sigma, ça bon, alors là pour le coup. Il faut se suicider, parce qu'il reste que 30 secondes, ouais. Le Reaper a intérêt à se sauver ou se suicider. Donc là, le Reaper qui se suicide, et les Heroes qui vont faire quoi maintenant? Est-ce que ça switch pour des.
Non, ça n'a pas l'air. Ah, Sugakami qui lâche sa mail pour le coup, parce que là, bon, en effet, le blizzard n'a pas servi à grand Et chose, le vélo qui est malheureusement. parti sur la gauche, est-ce qu'ils vont arriver à le toucher? Ouais, faut pas qu'il passe par le château, faut pas qu'il passe par le château. Qu'est-ce qu'il fait, Wolf? Ah, La frappe qui tombe sous malheureusement, les le coups du flux fera pas Macril, grand pas chose. de Au moins, il y a de la triple pression sur le call. point. Mais Gnoubi Stupid qui est qui prendra toujours les top et kills qui est avec pas le dégât géré, hein. Il est boost. toujours pas géré. Stupid qui prend 4 kills. Le Sigma qui essaye de Nos clutch encore héros. une fois, nos heroes qui a Nos héros l'habitude qui de tentent le clutch. clutch, mais voilà, pareil, ça ne suffira pas. Et On ça, et va s'arrêter ben, là. j'ai l'impression que voilà, on s'arrête là malheureusement, hein. C'est une victoire des Celtics. Deuxième point C'est donc pour un les Celtics, alors 2-0 qu'on veut pour les Celtics. revoir l'action de la partie. Et c'est le double boop. Gelucio, on Très attaque. probablement. Il y a des chances, hein. C'était Un beau. côté Ah Gelucio, oui, oh, regarde-moi c'est ça. tellement ça. Hop! Hop, allez! Ça dégage. Ah, ciao! Par-dessus la troisième corde! Et un, voilà, et un petit une petite tarte après pour la fin pour supplémentaire. terminer. Ah non, non, mais très joli ce boop, hein. Il a bien profité du chaos ambiant et tout. Ça a profité de De mémoire, la l'engagement, Orisa il avait est plus de arrivé. fortify. Non, c'est C'est bien vrai qu'il passé là. arrive. C'est très très bien passé. Non, c'est plein de Et on petits va moves comme ça, pouvoir hein. se Enfin, franchement, le retrouver jeu des Celtics, sur. il est beaucoup là-dessus, quoi. Sur les petits moves qui vont. Enfin, qui font un petit peu la différence. Genre, bah là, cette tentative de boop, parce que c'était relativement safe aussi. Mais qui passe crème parce qu'ils profitent de la désorganisation de l'équipe adverse. Là, très clairement, ils étaient tous étalés. Eh ben, c'est pas Et ça grave. fait hop, ça dégage. Autrement, c'est super cool. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, la troisième map, c'est Anubis, non? Ou Volcan? Je sais Oui, plus. c'est Anubis. Anubis. Et il y a une pause demandée du côté des Hope Guardians. On va vouloir parler stratégie, je pense, pour Ouais, essayer de faire la probablement. remontada. Essayer de parler du fait que quand même ils se prennent beaucoup de barrages dans la Il me tronche semble en que ce moment. Domiko, c'est leur coach, si je dis pas de bêtises, qui est en spectate des Hope Guardians Ouais. depuis tout à l'heure. Je pense qu'il va essayer de nous remettre ça bien. Ouais, parce que là pour le coup, ouais, c'est vrai que les Celtics, alors ils ont, enfin voilà, ils ont clairement pas démérité, ils ont bien joué, ils ont été aggro quand il le fallait, défensif quand ils pouvaient pas vraiment être aggro, etc. Ça s'est bien passé à ce niveau-là. Alors que ça demande les Maintenant, coachs du côté des deux équipes, Maël, si tu nous entends. On te remercie. mais comment dire? Mais c'est vrai que ouais, enfin pour le coup, Gnoubi avec sa, oh, c'est un alt tab ça. Et Gnoubi qui a fait le café avec Safara, hein, mais aussi parce que bon bah une pharmacie qui est pas gênée, bah forcément. Ça, il est un peu free, hein. Il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est marrant parce que par exemple tout à l'heure sur Népal, les Guardians ils avaient pas hésité à sortir une pharmacie et ça s'était bien passé même, ils avaient gagné leur premier duel et ils avaient conservé le point après quand ils étaient Ouais, c'est ça, ils avaient capé le point. sur Ils avaient Hôtel, gagné le je point grâce crois. à ça, je Ouais. crois. Après, ils étaient repartis sur un Junkrat, mais ils avaient recap le point grâce à la Pharah. Ouais, c'est ça. Et du coup là je sais pas sur Eikenwald ils ont pas voulu quoi, ils ont pas voulu prendre le duel, ils ont pas voulu essayer au moins de faire peur à la pharmacie finalement, ils ont dû banquer sur le fait qu'ils pensaient pouvoir gagner au sol. Bah manifestement ça s'est pas passé comme ils l'espéraient quoi, parce que il y a quand même eu des gros Il y a au moins 5 ou enfin 6 barrages, je crois. ouais des gros barrages bien vénères, c'est-à-dire que le problème c'est ouais si tu penses gagner au sol mais que quand t'arrives au contact de l'équipe adverse tu t'es déjà pris un barrage et que t'as eu 3 morts, ben forcément bah t'es un peu moins percutant quoi. Ça, il aurait peut-être fallu prendre un petit switch pour pouvoir counter mieux, plus facilement cette Pharah, l'empêcher de s'exprimer. Alors Ouais, qu'on c'est un petit peu aura un dommage. Pas changement du forcément. côté des Guardians. Pas forcément un changement de. Comment dire de. Enfin oui, changement dans l'équipe, oui, donc désolé. Mais pas forcément un. Comment dire. Pas forcément pique la Pharah systématiquement. Même si c'est mieux. Mais déjà, ne serait-ce que l'empêcher de jouer, qu'elle soit pas free tout le temps, etc. quoi. Parce que Ça va là, c'est mettre un vrai que petit même peu sur. d'opposition, même si on la fait pas tomber, Ouais. mais si on l'empêche de s'exprimer et qu'on fait tomber le reste de l'équipe, après la Pharah tombe. Typiquement dans la phase 2 d'Eikenwald, prendre le top du château par exemple, en général c'est pas le pire des moves. Alors faut réussir à se mettre dessus. Mais du coup t'as le high ground, la Pharah est un petit peu moins free, et si t'arrives à lui faire peur à côté, ben avec je sais pas, un Makri ou même un Soldier, j'en sais rien, ou pourquoi pas soit une autre Pharah ou Une une Nido. hache. Ou une hache, selon ce que savent le mieux jouer l'équipe en fait, qui a besoin de la gérer. Un petit scan, ça suffit. Ouais, c'est ça. Ça peut Soit scan, soit faire peur Pharah, au de toute moins. façon.
Ça va engager la pharmacie à se calmer, quoi qu'il arrive, quoi. Alors que là, à un moment, ils étaient très free quand même, hein, les deux. Quand il y a Reaper Email en face et que c'est sur une map ouverte, Naphara, elle peut prendre les hauteurs facilement, elle a juste à connecter les roquettes. Ah, puis alors là, ouais, Gnoubi s'en est pas privé, quoi. Hein. Il a bien bien farmé ses barrages à chaque fois, quoi. Je crois qu'il nous a fait au moins 5 ou 6 barrages dans la game. Minimum. Ouais, c'est un truc comme ça. Peut-être même plus. Honnêtement, je sais plus parce il les a chargés tellement vite à chaque fois on se disait ah, il en a déjà un! Donc ouais, je pense ouais, 5-6 barrages sans aucun problème, quoi. Et ouais. Et puis là, c'est vrai que bah, par exemple, on voit la différence un petit peu, j'aurais tendance à dire. La différence qu'il y a eu avec la dernière fois où Sigma a été patché et où maintenant t'as besoin d'attendre une seconde avant de pouvoir redéployer ton bouclier. C'est C'est-à-dire ça. qu'avant, comme c'était Beaucoup plus dur complètement de contrer. instantané, bah du coup tu t'en fichais quoi. Oui, t'avais 0,2 secondes pour le déployer en vrai, mais c'était pas Tu grave le quoi. voyais même pas. Tu les voyais à peine, c'est ça. Le temps de t'en rendre compte, c'est bon, t'étais redéployé ailleurs et la Pharah, c'est pas qu'elle faisait rien, mais c'est que ça lui compliquait quand même sérieusement la vie. Puis si tu Là, mettais bien mine de ton shield, rien. elle se tuait elle-même avec le shield. Oui. Elle Pourtant, il m'a pouvait bien le aussi. placé. Et c'est vrai que là maintenant, même en tant que Sigma, t'hésites à le placer à Babelwed ton shield, parce que tu sais qu'après, pendant une seconde, tu l'as plus. Donc faut jouer un peu plus Exactement près de ça. l'équipe, quoi. C'est plus dur à gérer. Et on va pouvoir repartir. Il me semble que les équipes sont prêtes. Est-ce On dirait bien. que c'est prêt du côté du cast? Est-ce que Maël, Et donc. tout est bon? Et On va donc pouvoir y alors. aller. Ta 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 ta. Il y a un changement de side, hein. Les Hope Guardians qui vont Ouais. commencer en attaque. Ils vont attaquer Anubis. Ça peut être Ils ont peut-être intéressant. raison, hein. On a eu un switch, hein. On a Alpha Wolf qui est sorti. Ouais. Et Falcon qui l'a remplacé. On va voir un petit peu ce que ça nous réserve tout ça. Mais ouais, sur alors Anubis, ouais, bon après c'est une 2CP, bon, il y a plein de gens qui aiment pas. Moi Après j'adore Anubis. J'aime pas trop c'est les une map 2CP, qui mais est Anubis c'est Ouais. Bah après magique. c'est une map qui est intéressante parce que tu peux pas la jouer enfin je trouve en tout cas, tu peux pas la jouer comme les autres 2CP d'une certaine manière, même ne serait-ce qu'en termes de compo ou quoi. Après tu peux Ah, aussi tu peux jouer jouer très Reaper Doomfist, hein. Oui, tu peux jouer Reaper Doomfist bien sûr, mais je pense même pour l'attaquer par exemple en particulier, si tu prends les compos telles qu'on les voit aujourd'hui, beaucoup d'entre elles en tout cas, du genre bah avec tes double shields, ton machin et tout, bah le choke il est tellement long à passer Ça, c'est très que compliqué. bah soit tu passes dans l'espèce de dédale qui est sur ta gauche quand t'attaques, et à ce moment-là tu te retrouves dans un choke encore pour pouvoir avoir accès au point, soit tu essaies de passer direct, mais là tu te fais avoiner tellement fort. Donc ouais, c'est compliqué hein. Ouh, un gars, alors là, ça fait plaisir, ça. La petite compo qu'on voit sur la droite, là, en attaque, ça nous Ah fait là oui. très très plaisir. Là Une grosse dive énervée. on est sur de la grosse dive des familles. Alors après, le seul hic que je vois, c'est Ana face à double shield. Parce que là, Ça, les c'est un peu nades vont avoir complexe du pour mal à pouvoir. connecter Même pour heal ses je parle même pas des teammates, soins. si les shields sont bien Ouais. placés, ouais. Après, Après, si ce se que peut passe faire bien, Mr. ça peut faire un Smile, gros bordel, hein. c'est tenter un bon gros boop à coup de crochet pour faire descendre une partie de l'équipe Celtics aussi. Et Pour qu'après ils Nanoblade, puissent ça peut vraiment faire dive et très très mal. cueillir les autres. Et ouais, une Anoblade, ouais, très clairement. Ou un combo Gnoubi qui reste sur sa qui est Pharah. rarement vu mais qui est très fort, c'est le Witch Diamond et de Winston en même temps. Tu balances tes mines et le Winston il envoie les gens dedans. Il envoie les gens dedans, ouais. Un petit peu J'ai plus déjà difficile à fait pull up, quelques fois peut-être. en ranked, mais c'est très rare, c'est très 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 fort. Ouais. Ah oui, c'est très fort par contre. Ah tiens, Soit c'est bien, soit intéressant, les top. Celtics qui ont reculé carrément sur le point. Ils ont vu que ça allait dive. Ils ont dit non! Et là, Ana qui On va avait pris garder des un high petites ground, mais juste nades. pas celui habituel. Au moins, ça les a délogés de cette hauteur. Ouais. Et le Genji qui tombe instantanément. Ce sera Ah, pire un alors. caillou. Là, Ana qui tombe de son tour. Là, Ah, les tout le monde va Celtics qui font tomber. le Hein. ménage là, ouais. Non, mais là, les Guardians qui sont arrivés un peu en ordre dispersé, c'est un peu dommage. Ils ont Ça, pas ils ont, à tous mon avis, ils ont été surpris de la sauté en position même des temps. adversaires. Ouais, ils se sont laissés surprendre et ils se sont fait avoiner en plus par Gnoubi. Et tout mis bout à bout, ils se sont retrouvés à pas trop savoir quoi faire. Du coup, Bon, ils sont tous tombés et c'est un ça charge reset. les ultis de l'autre côté. Ah, On ça a des charge très switches du fort les coup. ultis. On va lâcher la dive et malheureusement, on lâche la dive. On est en Avec train de réfléchir du Falcon. côté des. Et ça sera une de. Ouais, ça sera une de Raid Zarya. La classico classique Renzaria. En même temps,
Là, une de mes compos préférées. Et là, pour le coup, on a une compo slow and steady, entre guillemets. Et avec quand même une hache pour essayer de faire peur un petit peu à cette Farmer Sig qu'on disait tout à l'heure. Et ça touche d'ailleurs. Hein. On a Heroes qui a deux counters. Et avec Gnoubi qui réussit encore à prendre un kill. Avec Gnoubi qui a des roquettes qui se faufilent. Oh, et attention, on a... Il sait qu'il y a deux counters en face, mais il fonce quand même dans le tas. Il n'a pas peur. C'est ça. Et Mr. Smile qui arrive qui a tenté le back un petit peu, mais ça s'est mal passé pour lui. Du coup, on a plus de Reaper du côté des Celtics. Donc là, ouais. Plus de Reaper côté des Celtics, de donc là, ce serait le moment pour les Hope d'avancer. Très clairement, puisque là, ils peuvent prendre un 6v5. Après, il y en a qui reviennent encore du spawn. Non, c'est bon. La hache qui donc arrive là... à connecter sur la farm, mais la farm va tomber la hache encore une fois. Ah, et la hache qui a du mal à prendre son duel, là, malheureusement pour les Guardians. Et Gnoubi qui s'est pris une directe Rocket. Il est très 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 là bon. Une seule Rocket sur la farm, mais Gnoubi qui tombe instantanément. Et Varys qui va le raise directement. Et Gnoubi... On va devoir reset Gnoubi encore qui... une fois. Oui, voilà. Voilà, il y a 4 ults côté Celtics. Et on en a pas de l'autre côté, hein. C'est difficile. Ouais, ah bah il y a eu des swaps en même temps, hein, donc ça n'a pas aidé à la construction des ults, très clairement. Il reste plus qu'une minute. Mais... Et regarde cette position du Reaper. S'il se fait pas repérer par la Pharah. Ah, ouais, stop it là, ouais. Si, je si pense se que voilà, il va attendre un petit peu son honneur, mais là. Die. Ouais. Bah tiens, malheureusement, ah non, il le fait pas, ça sera pour une prochaine fois. Il faudrait que ceux Gakami et Nohiro focus en même temps que Gnoubi pour essayer de les faire tomber. Ouais, bah les deux qui tirent dessus, mais pas les deux en même temps. Et là, Gnoubi qui se met en position. Ouais, bah c'est ça, ouais, mais c'est dur en même temps. Une Pharah Pocket comme ça, faut vraiment la focus d'un coup, quoi. Il n'y a pas. C'est protégé. Oh! Ça c'est très bien, mais bah, mais stop it qui arrive par derrière. Aïe aïe aïe! Oh là 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 là, quoi de kill! Aïe aïe aïe! C'est ça, ils étaient tellement focus sur la Pharah qu'ils n'ont pas vu le Reaper passer derrière. Ah, ils ont lâché le tout leur ult, hein, les Celtics, mais il reste que 30 secondes en même temps. Exactement, et il ne restera plus qu'un flux gravitationnel du côté des Celtics. Est-ce qu'on va pouvoir réussir cette attaque? J'ai rien dit. Il y a quand même un flux gravitationnel, compliqué. Ouais. Bah là, ça il va falloir que. Pour aller au bout. Il va falloir que Sugakami clutch avec son barrage, je vois que ça. Ou alors, Mr. Smile qui est pas loin de son. Ouais, il y a la Valk aussi. Ah, et regarde, Mr. Smile qui a son petit KD peut-être. Ah, même si elle double shield, ça va être très bien. Le reste qui est pris instantanément, Gnoubi malheureusement. Ouais, voilà, Gnoubi qui. Le déluge de la justice qui part, qui prendra 0 kill, le flux gravitationnel qui permet de zoner. C'est dommage. Le marteau pilon qui a été cancel par le flux gravitationnel, et là ça va se finir là-dessus. Hein. Ouais. Ce sera un full hold. C'est un full hold, ouais, de la part des. De la part des Celtics. Très 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 bonne défense des Celtics. Ce qui laisse donc les Celtics avec 4 minutes, si je dis pas de bêtises, pour prendre un tiers. C'est ça. Exactement. Ça devrait être de l'ordre du faisable c'est pour le, eux. Le tiers de la victoire, hein. S'ils prennent ce tiers, c'est fini pour eux. Ouais, c'est ça. En plus, oui, c'est là, on est sur une balle de match. Et il me semble que Atom était pressé, si je me souviens bien. Ouais, en plus, voilà, ouais, il avait un truc, à mon avis. Je crois qu'il a un rendez-vous à 22h20. Bah là, un verre à il boire. Sera sans... Ah bah là du coup ouais non, enfin bon alors à part s'il est parisien et qu'il subit la grève des transports, mais sinon il y est, hein, y a aucun problème. Ouais, il devrait être à l'heure je pense, ça va le faire. Non mais on va voir, avec un peu de chance, parce que quand même, ça serait intéressant ça, les Guardians peuvent nous sortir un full load de l'espace aussi, en utilisant des techniques que la morale réprouve, comme par exemple faire un Bob Pharah, ou un Bob Pharmacy, tu vois, quelque chose comme ça. Et on aura un Bastion en attaque et non en défense. Non. Ah non, stop it, il a fait non quand même, non. Ah, j'aimerais bien voir de la dive, quelque chose comme ça, du côté des Celtics, qu'on se lance un peu de défi là. On switch un peu la comp. Alors, en même temps, y a une règle d'or, il hein. Faut jouer sur quoi t'es à l'aise. Hein. Ouais, si tu es à l'aise là-dessus. Il risque d'y avoir un changement de méta bientôt, ce serait intéressant d'essayer de voir autre chose. Bah, le changement de méta, c'est peut-être c'est demain, mais on sait même pas. C'est ça. Bon, il y aura des ajustements à faire de toute façon par rapport à la méta actuelle. Mais... Il y a de grandes chances qu'il y ait des changements de méta. Ça se fera peut-être pas en une journée, mais ça va servir. Ah oui. Avec un peu de temps, il y a quelque chose qui va s'imposer. Allez. On repartira sur la même oh, les gardes. Oh, les Celtics quoi, qui utilisent un wall de mets très très bien ça pour eux. Et les Guardians qui ont décidé de faire la même stratégie que les Celtics. Voilà. Avec la Pharah.
qui est là pour mettre les gros dégâts. On a très beau, là voilà, une ripcord derrière, malheureusement. Ah mais là c'est non. Se fait remonter. Très bien, quoi, ils les ont pas laissé passer. Avec Farah, on va faire la même et ça va marcher. C'est ça. Et Sugakami qui est déjà 80% d'ultimate. Et là, honnêtement, ils vont en avoir besoin. Ils vont avoir besoin de tous les ultis qui vont. Oh, le grab d'atome. Ah non. Ça sera sauvé. Celtics, on est parti sur une double scan pour pouvoir essayer d'embêter cette Farah. Cette Farah qui a déjà son ulti de cette Farah qui s'est fait grab. Ouh, aïe, aïe. Attention, hein. Oh la vache, Varsis qui va chercher. Oh, Varsis, c'est trop qui ont fait un travail, qui ont supprimé complètement la pharmacie des Hope Guardians. Il leur a lancé un tronc, ça leur a fait mal. C'est ça. Ah bah le tronc ça picote. Hein. Regardez, il ne tombe pas. Oh là, la ouais, qui va tombe tomber. Pas. Allez, les carisseurs qui partent pour dire non. On va essayer de sécuriser ce teamfight. Le Hammond qui rentre dans le tas. Le Hammond qui rentre dans le tas, là, Atom qui dit qu'il est pressé. Comme ça, mais il n'y arrive pas. Ouais, pas le temps de niaiser. Il est encore dans la backlane, enfin qui aide la backlane pour l'instant. Des gros dégâts, voilà, Atom qui tombe sur les coups de Mr. Smile. Pour le moment, les Hope qui tiennent bon, ils tiennent la rampe, mais ils sont. Enfin, ils sont pas encore tous là. Ah, c'est bon, voilà, ça commence à revenir, il en manque juste un. Il manque juste la Farah qui arrive. Et Sugakami qui, bah, bien sûr, forcément, est sur un angle. Est sur un angle un peu. Oh, dommage, le Hope qui n'a pas été concrétisé. Sugakami qui se met dans l'angle mort, hein. Il peut pas se faire taper par ses adversaires. Et Gnoubi, oh Gnoubi là qui va arriver avec son Tag Visor, qui va probablement le garder. Malheureusement. Il va le garder pour soigner la Farah, je suppose, non, même pas. Ah là là. Le Reaper d'un boosté qui ultime. Oh, No Heroes, voilà. Ouais. Le triple key de No Heroes, Sugakami qui utilise son ultimate pour essayer de finir cette fight, pour être sûr de pas perdre. C'est du miel sur du sucre là. Ils ont un écarisseur quand même, ils ont encore un écarisseur et comment et une belle tire. Et un Ainun pour 1 minute 24, donc ils ont le temps de charger des ults des deux côtés. Mais bon, ils vont pas en charger non plus des masses. Hein. Typiquement, Varsis qui vient de swap Baptiste, il aura probablement pas sa matrice. Peut-être que ton full hold va être fait. Hein. Ah bah, certains pour l'instant du côté des. Ça tient bien, mais. Le truc c'est qu'il faut vraiment faut qu'il reste focus à 100%. Le moment où il lâche un peu la rampe, c'est fini. Donc si il gagne ce teamfight, hein. Ça peut le faire. Ouais. Parce qu'après on va revenir avec des pics rapides. Et le Macri qui s'est fait repérer sur la top, il pourra pas inondre tranquillement. Ouh, beau pic de Gnoubi, ça c'est très très bon pour les Guardians. Maintenant faut se débarrasser de ce pod, c'est fait. Et le Macri qui tombe. Oh, les pics qui sont faits là. Les carisseurs qui partent, qui met des dégâts monstrueux, qui va, voilà. Qui va être tout seul, qui va se faire delay. Alors, il faut pas la tuer tout de suite, il faut gagner un peu de temps, il restera plus que 30 secondes. On a perdu personne du côté des Guardians. On va avoir des ultimates qui sont presque prêts. Et on va avoir de nouveau un barrage et un anneau côté Guardians. Et là, c'est le teamfight à pas rater. Hein. On a repris une Farah du côté de Gnoubi pour prendre le duel aérien. Avec Gnoubi qui a manqué de succès quand même avec sa Mei, du coup ouais, il revient. Celui qui a son barrage disponible. Ça va se jouer à l'ulti, hein. Celui qui va clutch. Ouais. Va remporter ce teamfight. Le Ainun qui risque de partir. Allez, Suga qui peut y aller là, voilà. Oh. Macri. Et les kills qui il sont pris du côté un pic. Des. Aïe aïe aïe, mais ouais, non, les kills qui sont pris côté Celtics. Aïe aïe aïe, dommage pour les Guardians. On était à la mano, on aurait réussi à gagner. Ça s'est joué à rien. Je n'ai rien compris. Ils sont rentrés dans le tas et ils sont passés. Comment ? Le barrage les a pas vraiment menacés parce qu'il est parti de loin. Il a fait qu'une victime d'ailleurs, je crois. L'essence. Et là, ouais, voilà. C'est des gamins crus. Ah bah, ils ont tous avancé en même temps. Hein. En face, ça s'est pris un gros stun. Je crois qu'il y a un caillou qui a connecté sur 4 personnes. Ouais, ça fait mal. Ça fait très mal. Ah, c'est dommage pour les Guardians, là ça s'est joué à rien d'avoir le full hold là. Le full hold est passé à rien du tout, il est passé à 10 cm même pas. Et rebonsoir. C'est bon, tout est remis, vous êtes sur les cas. C'est bon, tout est ok. C'est merveilleux. Et ben on a vu des très belles choses ce soir, dis donc. C'est un 3-0, ouais, mais c'est un match intéressant. Il y a eu de très très belles choses. On a eu de la résistance.
Ouais, carrément. Non, il y avait des beaux moves. Même dans les POTG, on a vu des choses intéressantes. Alors que des fois, les POTG, bon. Tu vois le truc, tu fais Bon, ouais, bon. Le top c'est of the pas game où le terrible. type il est mort et la tourelle tue tout le monde. Bon, d'accord, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait comme Mais jeu? Pourquoi le jeu? Ah, il on a m'a Rune de Pharah qui vraiment. aura fait beaucoup beaucoup de dégâts. Mais ouais, mais ça, ouais, Pharah et voilà. Reaper hein, qu'on voit dans cette saison, je trouve qu'ils sont quand même très très violents. Reaper surtout. Hein. Et d'ailleurs, on a eu deux Reapers là. Les Reapers dans chaque équipe étaient excellents. Hein, entre le Ouais. contournement pour les ultis. On a eu des ultis clutch. Et quand elles n'étaient pas clutch, elles étaient clairement bien placées. C'était la défense qui gérait bien les shields ou le counter. Et d'ailleurs, à la fin, là, juste avant la dernière attaque, il y a eu quand même un énorme clutch de. Alors, ça y est, j'en ai oublié l'action, mais les Celtics étaient vraiment passés pas loin de prendre le point. Il restait deux ou trois personnes en défense au niveau des Guardians. Et il y a eu une ult qui est partie, je pense qu'il me semble que c'est le Reaper d'ailleurs, hein, et qui a réussi à faire tomber C'est ça. 4-5 personnes. Et puis, d'ailleurs, ça m'a étonné que ce soit pas en POTG, parce que le kill feed était Ouais. entièrement à sa couleur. Mais c'est vrai que la dernière coalescence a. À la dernière coalescence, elle a Elle a donné le clairement point. participé à la win, quoi, c'est ça. Hein. Elle a donné le point, elle a donné la win. Et on aura eu la Pharah de Gnoubi qui a volé au-dessus de tout le monde ce soir. Ah ouais, la vache. À Gnoubi, il y a des moments où il se promenait, quoi. Bon, après, bon, voilà, c'est le jeu, comme dirait l'autre. Hein. Mais ce qui est marrant, ouais, voilà, c'est les Guardians qui sont capables de jouer contre Gnoubi. Et d'ailleurs, ben, on l'a vu, hein, quand ils sortent des picks contre la Pharah, ça se passe vachement mieux déjà. Mais à un moment, là, par exemple, sur Eichenwald, ils avaient décidé que non, apparemment, fallait pas utiliser un contre à Pharah, fallait juste gagner au sol. Et ouais, Ça c'est dommage, suffit. parce que je pense que ça leur aurait donné au moins le deuxième point, si ce n'est une égalisation, en fait, de moins choisir d'ignorer la Pharah, quoi. Parce que là, alors du coup, Gnoubi s'est senti vexé, et il leur a mis des roquettes dans les dents. Bon, C'est voilà. ça, c'est une C'est histoire de une histoire un gars de sensible, en fait, c'est dit, tout. vous voulez pas me contrer, D'agacement. moi je vais vous mettre mal. C'est ça. Bon. Bah, il va être temps de vous laisser, chers spectateurs. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi. Merci beaucoup à Flash et à Oshin. J'espère que ça vous a plu, le cast qu'ils ont pu vous proposer. Et que ça vous a plu à vous aussi de caster ce soir. C'est bien, on a les cams là. Ça fait quali. Je suis content de vous voir tous les deux sur les cams, sur le retour là. Ça fait très pro, ça fait très quali. C'est magnifique. Bientôt on Bon, bah, en castera tout le voir cas, Hatchling. bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. En Il sera en exclusivité sur la direct à chaîne, bien Paris. sûr. Hein. En Bon. exclu sur Oiri Sport. Sur Vous pourrez voir tous les matchs Oirisport. de War Je pense qu'avant qu'on en arrive là, bizarre, ils vont faire bon dans la licence, on arrête de vous la donner là. Ça va pas du tout, les gars. Ça Hatchling. prend trop d'ampleur. Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, spectateurs, d'avoir regardé. N'hésitez pas à follow ou à vous abonner pour soutenir le stream et la chaîne. Vous pouvez bien entendu suivre l'Overwatch Legacy sur ses réseaux sociaux, notamment Twitter, et puis les Twitter respectifs de nos camarades casters, voilà, qui sont là. Donc, si vous pouvez citer, parce que je ne les ai point en tête. Moi, c'est Oh. Flash, tout simplement. Flash, mais voilà, vous toute façon, cherchez il est sur Flash. De Overwatch toute façon, Legacy, vous l'avez donc. dans le Discord. Vous rejoignez le Discord, vous allez voir, il y a Flash, c'est incroyable. Il est là, vous Ouais. pouvez lui envoyer des MP, vous pouvez aller voir ce qu'il fait. Il a publié d'ailleurs plusieurs fois des vidéos ou sa chaîne YouTube dans le partage de médias, voilà. Puis Oshin que vous verrez en tant que joueur et en tant que caster, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Comme d'habitude, je vais faire tourner un peu les pubs à la fin. Si vous voulez rester, il n'y a pas de souci. Ça sera avec plaisir. Et puis nous, on va vous laisser Il tranquille. y a un animal qui s'incruste dans le stream. Ça y est, les Il animaux qui prennent le dessus. a dit, moi, je voulais faire mon petit Ah, coucou. mon Dieu! Allez, sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Bye bye. Bonne Bonne soirée même. à tous. Bonne soirée tout le monde. Ciao.